Bonjour, shalom, shalom alaykoum mes amis, bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un joint à la maison. Mais pas le joint dont vous pensez, un autre joint concernant la plomberie. Si vous avez une fuite chez vous de tuyage, vous pouvez faire un joint n'importe quelle taille par vos propres soins à la maison. Regardez bien et bonne chance. Et voilà, on commence. Ça, c'est le joint. Par exemple, j'ai besoin d'un joint comme ça. Ça, c'est la pâte à modeler. D'abord, on la étale. Faut faire à peu près de un peu plus que le diamètre de notre joint futur. Pose à l'intérieur. On pousse un petit peu et on force, on fonce pour qu'il rentre à l'intérieur, pour qu'il fasse la forme. Voilà, maintenant il faut le tourner et il faut ressortir le joint tout doucement et délicatement pour garder la forme. Voilà, j'ai démoulé le joint d'origine, j'ai galéré un petit peu. En fait, j'aurais dû au début, un petit peu graisser la surface là où j'allais mettre le joint pour le démouler plus vite et plus facilement. Voilà, la forme est prête. En fait, j'ai un joint dans mon siphon de lavabo qui est pété. J'avais la fuite. Et le joint, il coûte cher. Bah, cher. Il coûte 4,35 € je crois, un seul joint chez le roi Merlin. C'est pour ça que je me suis dit, est-ce qu'on peut faire des joints dans notre système de sanitaire, des robinets, du tuyage, en silicone à la maison, soi-même. Voilà, maintenant on va tester. Voilà de la silicone, on va tout doucement l'étaler sur les bords, délicatement. Hop. Ouais, c'était un peu trop, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Hop là. Maintenant, je vais tout ça étaler avec ma carte bleue vieille. Je vais prévoir comment il y aura l'air. Alors, ça a l'air de ça. Je laisse le joint sécher jusqu'à demain et on continuera demain. À demain. Et voilà, on va la démouler. Ça se démoule facilement. Voilà. Qu'est-ce que ça nous donne? Maintenant, je vais la découper avec les ciseaux et on verra qu'est-ce que ça va donner. Et voilà les gars, le joint en silicone est lavé. Comme vous pouvez voir, bonne épaisseur, bien flexible. Et je pense qu'il sera bien isolant. Il n'y aura pas de fuite d'eau. Voilà l'original dont on a fait la copie. Le clone. Nickel. Par contre, je ne sais pas la durée de vie d'un joint en silicone, mais je pense que ce sera très très bon isolant, il n'y aura pas de fuite d'eau. Alors les gars, si vous avez des problèmes chez vous avec la fuite d'eau et vous cherchez un joint particulier ou spécial, faites comme moi, faites un moule, la pâte à modeler. Même si vous avez un joint cassé, admettons, s'il s'est percé ici, il garde toujours la forme ronde. Vous le posez, faites la forme du silicone, étalé, séché, démoulé, découpé avec les ciseaux les bords. Et voilà. À la prochaine.